Así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nos guérir de toutes nos douleurs. Par sa morteur, nous avons été guéris. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit: laissez, arrêtez! Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Amen et amen. Avec ce texte, tout ce que je veux, c'est que nous comprenions que la vie du Seigneur Jésus-Christ, sa vie publique, quand il sortit pour son ministère lorsqu'il avait 30 ans, il commença en faisant des miracles et quand il était proche de la croix, regardez, il était proche de la croix et il était encore là guérissant le serviteur du centurion, celui à qui Pierre avait coupé l'oreille. Mais le Seigneur n'a besoin de personne pour le défendre et jamais ces miracles ne cesseront. Il est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Elle dit, depuis 15 jours, j'avais une forte douleur au creux de l'estomac. Ça semblait être une gastrite aujourd'hui. Elle est venue en ayant très mal. Quelqu'un d'autre a une douleur comme un coup de couteau au creux de l'estomac. Il dit, je sentais une douleur comme si on m'enfonçait un couteau dans le creux de l'estomac. Mais c'est parti. J'ai pris ces paroles pour moi et je demande à Dieu qu'il m'enlève cette douleur et la douleur est partie. Tu es complètement guéri. Félicitations, gloire au Seigneur pour cette précieuse guérison. J'ai une amie qui est depuis de l'année dernière, elle a perdu son époux à cause du Covid. Il était son soutien. Et depuis lors, le Seigneur m'a promis qu'il n'allait pas m'abandonner. C'est une épouse humilité parce qu'il était celui qui payait tout. Et du moins, se sont écoulés, on a payé le loyer. Pour un total d'un million cinq cents, ils m'ont donné toutes les courses, l'école du gamin, et je n'ai absolument manqué de rien. Les services, même les fantaisies, tout. Le Seigneur pour vous a tout de façon surnaturelle. On lui a versé l'argent de l'assurance vie ainsi, des économies. Pour rien, elle m'a dit qu'elle va recevoir la pension de son mari. Le Seigneur était fidèle avec elle. Ce miracle touche nos cœurs parce qu'il accomplit vraiment sa parole. Il est l'époux de veuve et le papa de son fils. Elle vivait littéralement dans la rue. Elle n'avait pas de maison à vivre. Elle était très seule. Je suis venue seule à cause de la situation du pays. Et je suis arrivée ici en période de crise. Je suis arrivée ici ruinée. Quelqu'un l'invitait à l'église. Elle est venue à l'église. Elle dit, t'es merveilleux. Elle m'a restituée. J'ai pris que c'est donner la dîme, donner l'offrande pour le Seigneur. Et le croyant. Il m'a donné tout ce que j'ai après ça. Il m'a donné un emploi. Il m'a donné une stabilité économique. Il lui a donné un lieu décent où vivre. Elle a déjà son appartement. Et en plus de ça, elle m'a dit, j'ai un contrat, j'ai un travail. Le Seigneur était fidèle. Imaginez-vous une personne qui est dans la rue, croire dans la dîme et l'offrande. C'est seulement parce qu'elle la croit et qu'elle le fait que le Seigneur te fait prospérer. Et le Seigneur va continuer à le faire parce qu'il honore notre foi. Amen. Eh bien, merci d'avoir donné ce témoignage parce que je sais que c'est un témoignage pour beaucoup que le Seigneur est fidèle dans nos vies. C'est pourquoi Dieu te bénit, continue à te récompenser ta foi. Impressionnant. Donnons cette fois un applaudissement, Seigneur. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes.
La parole du Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons prendre cette décision de tout notre cœur et nous allons lui déclarer au monde qu'il sache que notre vie appartient à mon Jésus. Amen. Si tu es prêt, je vais te guider dans cette prière. Où que tu sois, ici dans l'auditoire, dans ta maison, sur les réseaux, ferme tes yeux et fais avec moi cette prière. Fais-la de tout ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur. J'étais loin de toi. Aujourd'hui, je prends ma décision pour toi et je t'ouvre les portes de mon cœur. Je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'ai demandé laver mes péchés avec ton sang précieux et que tu fasses de moi une nouvelle création en toi, que les choses anciennes passent et toutes choses soient nouvelles. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle et ne l'efface jamais. Aide-moi à rester fidèle à toi et à ta parole pour le reste de mes jours, jusqu'au jour où je serai avec toi, célébrant pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifierait à ta vie. Et tu donneras la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Dans le livre de Job, et chapitre 33, et verset 14, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie, des coups du glaive. Amen et Amen. Alléluia. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Amen et Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Le ciel et la terre, tels que nous connaissons. Tout cela commença avec la voix de Dieu. Il est dit dans Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu dit, dis-le avec moi, et Dieu dit, je m'imagine ce moment. Dieu parle et voici la lumière. Il trouve cela bon. Sa puissante voix. Laissez-moi vous dire qu'elle est puissante. Dis-le avec moi, puissante. Dans Exode, quand Dieu fait sortir son peuple pour le racheter de l'esclavage,
et l'amène au désert, l'emmène à la sainte montagne, et qu'il parle au peuple. Il parle au peuple, pas à Moïse, au peuple. Il est dit, le troisième jour au matin, il eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le campement fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu, au milieu du feu. Cette fumée s'est levée, comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait, avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fort. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf. Tout le peuple entendait les tonnerres et les éclairs et le son de la trompette. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous nous mourions. » Ce fut une expérience terrible. La voix de Dieu. Une expérience terrible, la voix du Père. C'est pourquoi, depuis ce temps-là, Dieu parla au peuple, au travers de Moïse. Et ensuite, il leur parla au travers des prophètes. L'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, dit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et Paul, écrivant à Timothée, lui dit, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. » Il utilise une parole grecque qui est « theopneustos », qui signifie « souffle divin », c'est-à-dire « inspiré par lui ». Mais lorsque le Fils parle, c'est tout aussi terrible. Daniel, c'est bon, je l'ai ici sous la main. Je vous le lis. Il dit, « Je levai les yeux. » Je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. C'est une christophanie.
une manifestation de Jésus. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changeait de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai, frappé, d'étourdissement, la face contre terre. La voix du Fils de Dieu. Jean, l'apôtre qui marcha avec Jésus, parce qu'ils ont connu Jésus. Mais il y dit qu'il n'est plus tel qu'ils l'ont connu. Il n'est plus celui sur qui l'on crache, dont on se moque, qu'on raille. Maintenant, il est assis sur son trône. Il est roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et regardez ce que dit Jean. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans la fournaise, et sa voix comme le bruit de grandes eaux. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille de sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Alléluia! C'est le Fils. Mais Dieu a toujours voulu nous conduire et nous parler. Lorsqu'il fit sortir Israël d'Égypte, la nuée de gloire apparaît en premier. Elle les a conduits 40 ans dans le désert. Quelqu'un sait qui est la nuée de la gloire? Le Saint-Esprit. Alléluia. Avant que Jésus quitte cette terre, il dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quand le Saint-Esprit parle, sa voix est douce. Quand le Saint-Esprit parle, il parle à ton esprit et il te saisit. Il n'y a pas une voix plus douce que je n'ai entendue dans toute ma vie. Quelqu'un peut reconnaître la voix de la femme qu'il aime, la voix de la maman, la voix d'un enfant. Non. Il n'y a pas une voix comme la voix de l'Esprit. Il n'y a pas une voix qui ressemble à la voix du Saint-Esprit. Quand il parle, il renverse toutes vos habitudes. Pierre avait eu une vision à Job. J'étais à la porte de cette maison où il se trouvait. Il eut la vision face à la mer Méditerranée. Le Seigneur lui parle et lui dit, le Saint-Esprit dit à Pierre, trois hommes viennent te chercher, des gentils, des soldats, romains. Ils viennent te chercher, ne crains pas d'aller avec eux.
et il les reçut. Et il est parti avec eux et entra dans la maison d'un gentil, chose qu'aucun juif ne faisait, parce que c'était une abomination. Mais quand l'Esprit parle, des traditions tombent à terre. Qui a parlé à Noé? C'était l'Esprit. Qui a parlé à Abraham, Isaac, Jacob, qu'on appelle un prophète? Qui a parlé aux prophètes? C'était l'Esprit. Qui a parlé aux apôtres après la résurrection et l'ascension du Seigneur? Ce fut l'Esprit. Qui a parlé à Ananias? Qui a parlé à Corneille? Et qui parle à ton esprit? C'est le Saint-Esprit. La question est, pourquoi ne l'entendons-nous pas? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi n'entendons-nous pas le doux murmure de l'Esprit? À cause du bruit du monde. Trop de volume. Vous n'avez jamais été dans un restaurant où ils mettent tant de volume que vous devez crier pour que l'autre personne vous entende. C'est ce qui arrive à l'église. Trop de volume sur le téléviseur pendant des heures. C'est ce que vous entendez et parlez. Vous ne pouvez pas entendre l'Esprit. Trop de volume sur Internet. Pendant des heures, vous ne pouvez pas l'entendre. C'est le bruit du monde. Trop de volume sur les réseaux sociaux. Et tu ne peux entendre la voix de l'Esprit parce que le monde crie. Mais l'Esprit murmure. Quelquefois, on me demande pourquoi les jeunes dans le monde font-ils de mauvais choix politiques? Parce qu'ils entendent leurs enseignants 8 heures par jour, du lundi au vendredi, et leur pasteur seulement 1 heure, et le Saint-Esprit jamais. Parce qu'ils entendent leurs amis qui parle très fort. C'est le bruit du monde, alors que le Saint-Esprit murmure à ton esprit. L'autre raison, la voix de notre cœur. Notre voix est si forte, nos désirs et ambitions qui nous empêchent d'entendre le doux murmure de l'Esprit. Parce que nous entendons le langage de Satan. Incrédulité, peur, haine, vengeance, mort, ressentiment, suicide. Cette voix, nous l'entendons parce qu'il parle fort. Mais nous n'entendons pas le doux murmure de l'Esprit. Ou parce que, comme Adam, nous savons que nous avons accepté un péché horrible. Alors, nous nous cachons de sa voix. La parole dit, « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. » Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Ce « tranquille » veut dire aussi, soyez calme, détendez-vous, relaxez-vous. C'est ainsi qu'on le traduit de l'hébreu cette parole. S'il y a des turbulences, Élie entendit que Jézabel voulait le tuer. Tout Israël était convulsé, donc il a fui.
et le Seigneur le fait marcher 40 jours pour arriver dans une grotte. Et dans la grotte, il n'entendait plus les cris, le bruit du monde, la peur dans son cœur. Vous savez déjà, ce n'est pas le tremblement de terre, ce n'est pas le vent qui brise les pierres, ce n'est pas le feu, ce n'est pas le bruit du monde, c'est le doux murmure. Le Saint-Esprit. Dieu parle. L'Esprit murmure. Il veut que tu entendes sa voix. Mais les désirs de ce monde ignorent la voix inestimable de l'Esprit. Tu dois te décider. Choisir le bruit du monde. Ou le doux murmure de l'Esprit. Qui vas-tu entendre? Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Aide-nous à calmer nos cœurs, à nous arrêter dans notre course. Écoutons le bruit du monde. Parce que nous voulons entendre la voix de l'Esprit dans le doux murmure. Aide-nous à l'entendre.